boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, 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 yard. The boys are waiting. My milkshake brings all the boys to the yard. Bitch, you know I'm sexy. Ugh, don't call, just text. Bitches slow can't get on my s. They stare cause they know I'm the I-T-G-I-R-L. You know I am that girl. Bitch, don't kiss and tell. It's open for T-L. I remember when I took this video, I thought, a year from now, I'm going to be so different. I said, I feel invincible, hold on. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going, I won't keep going. It's 85. Ok guys, je vais vous donner 4 tips pour pouvoir glow up physiquement. Je sais que quand on parle de glow up, on parle aussi de glow up mental et tout, et c'est super important, faut pas faire l'impasse là-dessus. Mais des fois on veut un petit peu plus de concret, sachant que l'été c'est genre demain en fait, ma belle. Premier tip, ça va être de boire du kombucha ou du vinaigre de cidre. Je crois que c'est assez connu comme, comme conseil, mais en fait c'est des ingrédients qui ont un peu des vertus anti... En fait, c'est deux ingrédients qui vont avoir des propriétés antioxydantes et qui vont vraiment faire un nettoyage de votre flore intestinale et du coup qui vont éliminer toutes les bactéries et tout. Bref, vous allez avoir une petite désintox au niveau de votre bidou et du coup, il va être beaucoup plus plat. Je parle en connaissance de cause parce que généralement, quand j'y pense du moins, le matin à jeun, du coup quand j'ai le ventre vide, je prends un peu de vinaigre de cidre, genre j'en mets un fond comme ça et je remplis de l'eau et après je bois tout ça. Et après vraiment j'ai le ventre mais plat. Donc si vous avez pour habitude d'avoir des ballonnements au niveau du ventre ou même si vous avez des problèmes de digestion, franchement vous buvez ça, tout part, vous avez le ventre plat, c'est nickel. Par contre je recommande vraiment de boire ça avec une paille parce que c'est un peu des jus qui sont assez acides. Donc ça va, sur le long terme, ça va un peu vous détruire les mailles. Donc on veut un ventre plat mais aussi de belles chicos en fait. Mon deuxième tip, il est testé et approuvé à 1000%. On dit oui, mettez de la vaseline sur vos lèvres et tout, ça va vraiment les déshydrater et tout, ça va les faire gonfler. Ok, mais est-ce que vous avez testé la vaseline plus l'acide hyaluronique? Pour ceux qui ne savent pas, l'acide hyaluronique, c'est un actif qui va hydrater la surface et qui s'absorbe assez vite, on va dire. Et en fait, vous pouvez en trouver un peu partout. Moi, je sais que j'ai celui d'Aromazone, il marche très très bien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un petit peu d'acide hyaluronique sur votre doigt et vous allez étaler ça sur vos lèvres. Et avant que ça s'absorbe, vous prenez de la vaseline ou un corps gras, on va dire. Enfin, il faut que ce soit gras. Moi, j'utilise un baume qui est assez gras, qui est assez riche. Mais je recommande quand même. Wanna break from the ads?
Want a break from the ads? These bitches. Baby, you know who I am. Coming on just who you are. We ain't gotta rush on the shit, cause being in love is too hard. Hold on. I'm tired of all these flashing lights. Girl, we should just walk in the dark. Once you let me in it, I'ma get to switch in different positions. Had that ass wishing that I was your nigga. They're laughing at you. They think you're weak. Show them a love. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Vous mettez ça avant que ça sèche et en fait ça va emprisonner, genre piéger l'hydratation, enfin je sais pas le terme, mais dans tous les cas vous allez ressortir de la salle de bain avec avec des lèvres qui ont triplé de volume. Le troisième tips, je l'ai appris récemment, j'étais un petit peu choquée de l'apprendre, mais en fait il faut savoir que 15 minutes de corde à sauter c'est l'équivalent de 30 minutes de course. En fait, c'est une activité qui va faire appel à tous les membres du corps et qui va vraiment faire travailler tous les muscles. Et du coup, vous dépensez énormément. Et je trouve que c'est un petit peu à portée de tout le monde. Enfin, tout le monde sait sauter. Et puis même, vous prenez la corde à sauter de votre petite sœur ou même vous allez à Décathlon, ça coûte 5€ une corde à sauter. C'est une superbe activité pour se dépenser et tout. Et je trouve ça un petit peu plus marrant que la course à pied. Après, c'est mon avis, hein. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez 15 minutes de votre temps dans la journée. Prenez votre petite corde à sauter, vous faites vos petits sauts dans le salon. Et voilà quoi, vous allez brûler vos calories. Quatrième et dernier tip, c'est pour les gens qui veulent bronzer cet été et qui veulent vraiment avoir un teint allé, hyper glowy et tout. Manger de la carotte. Ça m'avait choqué quand j'ai appris ça, mais apparemment la carotte contient des... Comment ça s'appelle? Des bêta-carotènes, enfin un truc, un actif qui fait que ça favorise, je crois, la vitamine C. Et aussi le développement de la mélanine. C'est-à-dire que vous allez produire un petit peu plus de pigments, je crois. Enfin, bref, ça va vraiment booster du coup votre mélanine et tout. Et vous allez bronzer beaucoup plus facilement. Et vous allez garder plus longtemps votre bronzage, il me semble. Franchement, c'est à tester. Mais après, il faut prendre aussi en compte le facteur génétique. Enfin, si vous êtes vraiment pâle de peau et tout. Et que vous rougissez plutôt que vous bronzez. Peut-être que ça va être un petit peu compliqué. Après, c'est vraiment à tester, donc à voir. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura bien aidé. Et que vous allez glop et que vous allez devenir encore plus belle que vous ne l'êtes. Voilà, bisous. Imagine the day they see you again. And you are just, well, better. Wake up, filthy. Come on, me and my niggas have known that we won it. But the game with a... Cause I ain't drunk enough to do that. Jamaica, Keisha, Tara, Shakely, Sabrina.
piece of advice. Don't let 1 year from now you wish that you started a year ago. Start now. Looks Max, I can help you. Put a front and profile photo. I swear, they're like, Bible. And then they're like, oh, crrr.